Yo tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 sur la map Meltdown en élimination confirmée, guerre terrestre. Dans cette partie, j'étais accompagné de Gamers EV, donc c'est un gameplay qui se déroule sur Xbox 360, pour ceux qui ne le savent pas. Donc aujourd'hui, je vous présente, comme je dis, sur Black Ops 2, un plus de 100 kills solo. Enfin, pour moi, c'est solo, parce que Gamers m'aidait pas trop. Passage dédicace à toi, Gamers. Il m'aidait pas trop dans la game, donc pour moi c'est un peu un gameplay solo. Donc plus de 100 kills comme je dis, en émulation confirmée. Donc assez compliqué je trouve de faire un plus de 100 kills en EC. Et je suis vraiment fier de vous proposer ce gameplay, tout d'abord parce que c'est un plus de 100 kills, mais aussi que c'est, comme je dis, en solo. Donc voilà. Donc dans cette partie je joue à la Scarache, Silencieux Cross, en arme secondaire le B23R, en atout pillard, qu'est-ce que j'ai dit? Gilet pare-balles détermination, pillard robustesse, le C4. Et voilà. Et en série de points, la microstation orbitale, les chiens, donc l'unité canine, et le groupe de chasse, qui sont selon moi les meilleures séries de points pour faire un plus de 100 kills en solo. Après, si vous tentez des plus de 100 kills en groupe, je vous conseille d'enlever la microstation orbitale et de mettre à la place le drone d'escorte ou le Loadstar. Voilà. Pour la présentation du gameplay, on va passer à autre chose maintenant. Donc, je voulais vous parler de mon absence un peu pendant ces 2 semaines-là. Donc, en fait, j'étais pas vraiment absent. J'ai mis quand même des vidéos, mais c'était pas vraiment moi qui commentais. Donc, c'est tout simplement qu'il y a eu des problèmes dans ma famille. Enfin, bref, voilà, des petits problèmes. Et voilà, donc j'étais pas chez moi. Et je pouvais pas faire de vidéo, donc. Et voilà. Donc, j'ai préféré mettre des vidéos d'autres youtubeurs. Comme ça, je me suis dit, ils s'ennuieront pas pendant mon absence. Donc voilà, j'espère qu'elles vous ont plu. Je voulais remercier, enfin je voulais remercier, non je remercie pas, enfin en tout cas eux ils m'ont remercié, donc les youtubeurs qui sont passés, donc voilà, il n'y a pas de problème, hein, je vous fais passer, pardon, sur la chaîne quand vous voulez, tant que vous avez un gameplay potable avec un bon sujet, franchement il n'y a pas de problème, vous passez tranquille. Voilà, on n'est pas sur code QG ici, on passe tous les jours. Non sérieusement, franchement. Je me prends pas la tête, j'accepte la plupart des gameplays. Bon, si c'est une simple KM qui est faite en 10 minutes, c'est sûr, j'accepte pas. Mais si c'est vraiment un bon gameplay, franchement, je le prends direct. Donc voilà. En parlant des deux youtubeurs, pour les. Comment on pourrait dire ça? Les. Ah. Les critères d'upload, voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Les critères d'upload, franchement, pour les deux youtubeurs, c'est d'avoir un bon gameplay et un bon sujet. Et franchement, vous passez, même si le sujet est pas terrible, mais que vous avez vraiment un très bon gameplay, je vous accepte. Parce que voilà, c'est ça que je reproche surtout à Code QG et Code CF, c'est que des fois, il y a de très, je leur propose de très bons gameplays. Hein. À l'époque, j'avais proposé des doubles nukes, enfin là, pareil, j'avais proposé double KEM à Code QG. Ils ont pas accepté. Et franchement, bah, ça fait mal au cœur, quoi, parce que on se fait chier à faire des bons gameplays, ils acceptent pas, tout simplement parce que le sujet des fois n'est pas très, comment dire, n'est pas très apprécié de certaines personnes. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur parce qu'on s'est fait chier, comme je dis, à faire le gameplay. Mais voilà, alors que moi, franchement, je vous fais tous passer, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a un bon gameplay, je vous fais passer. Même si le sujet est pas terrible, je vous fais passer quand même. Alors que Code QG, comme je dis, faut un bon commentary. C'est franchement, même des fois quand le gameplay est pas terrible et qu'il y a un bon commentary, ils me font quand même passer parce que j'ai vu sur Code QG des KM en 10 minutes. Je me suis dit waouh, c'est une blague. Et en fait, non, c'était pas une blague. Le mec est passé avec une KM en 10 minutes, mais il avait un bon sujet. C'est ça le truc aussi. Il a bien commenté tout, et le commentary était propre. Et c'est vrai que moi, le gameplay est propre, mais pas le commentary. Donc c'est ça le merdier. Mais bon. J'essaie de m'améliorer de jour en jour, j'espère que vous le voyez en tout cas. J'essaie de m'appliquer de vidéo en vidéo. Donc vous pouvez voir que je fais un vrai carnage hein, dans la file, il n'y a que moi avec les groupes de chasse et les chiens. C'est un vrai. De toute façon, dès que vous les obtenez une fois, si vous ne mourrez pas, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne obligatoirement. Si ça fait un peu de frag, les plus 30, vous voyez là, les plus 100, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne à fond. Et ce qui est bien dans cette game, c'est que ça n'a pas rage quit. Ce qui est rare sur Xbox, franchement, ce qui est très rare. Parce que sur Xbox, je trouve que ça rage quit plus que sur PS3. Tout simplement parce que les gens tiennent beaucoup à leur ratio. Et comme sur Xbox, on paye le ligne, bah, les gens tiennent à leur ratio et ils ne peuvent pas créer deux comptes à la fois.
Au passage, pour ceux qui veulent m'ajouter sur la Xbox, c'est Blackbird HD, mais en ce moment je suis full. Donc là, passage triple OC4, je suis full, ouais, donc comme je vous ai dit. Au pire, envoyez-moi un message et dites-moi, je veux jouer avec toi ou comme ça, et je vous invite au pire. Donc en ce moment, je suis plus sur Black Ops 2 en ligue avec les potos, ou sinon je feed sur MW3 en zone de largage. Donc voilà. Au passage, je pense pour le faire les. Pour, comme je vous ai dit, qu'il y avait un changement sur ma chaîne, c'est que j'allais faire du sniper. Beaucoup de snipers. Au passage, je compte vous proposer des lives prochainement aux snipers en zone de largage sur Modern Warfare 3. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous plaît. Et je compte par ailleurs, donc pour les 5K, donc les 5000 abonnés, vous faire un montage sniper d'environ 5-10 minutes. Donc il faut que je fasse la masse de clips. Donc pour l'instant, j'ai une dizaine de clips au sniper, donc que ça soit des quad feed, des triples une balle. Donc je suis super content déjà du résultat. Et j'espère que ça vous fera plaisir aux 5000 abonnés, donc vers les 5000, 6000 abonnés par là, je pense. Je pense que quand j'aurai la masse de clips, je vous ferai ça. Et voilà. C'était Blackbird HD. Laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon commentaire aujourd'hui. Et je m'excuse encore de mon absence durant ces 2 semaines. Voilà, donc là, la partie s'est terminée. 110-3. Gamers EV a fait du 10-11. Bon, il était pas chaud, on va dire. Voilà, c'était Blackbird HD, laissez un like, un commentaire si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.